et 20 ans. Cette mesure préventive est obligatoire pour tous ceux qui habitent ces quartiers. Le gouverneur militaire l'a annoncé aux premières heures de la nuit, ces jours, et depuis tôt ce matin, le dispositif d'accompagnement des populations vers des zones d'évacuation sont en cours. Il est question de préserver la vie de nos concitoyens en les orientant vers des lieux plus sécurisés. Le retour dans leur domicile respectif ne pourra être envisagé que lorsque la menace sera totalement écartée. Les éléments qui ont concouru à la prise de cette décision sont le risque que nous renseigne l'évaluation scientifique. La ville de Goma est en proie à 4 types de risques. Le risque d'accentuation de tremblements de terre ressenti de manière continue depuis le 22. Ici, je dois préciser que les scientifiques disent que nous sommes devant une expérience inédite. C'est-à-dire que par le passé, pour ceux qui connaissent la ville de Goma, l'éruption s'est fait toujours annoncer d'une manière ou d'une autre, même de manière naturelle. Il y a des petits tremblements qui précèdent, il y a des chaleurs évidemment étouffantes, ensuite il y a la lave qui sort du volcan. Mais ce qu'on a observé les 22, c'est qu'il n'y a pas eu, comme par le passé, des tremblements qui précèdent. Et donc vous comprenez que nous sommes devant un tableau inédit et les scientifiques n'ont pas encore de réponse claire sur ce qui se passe réellement. C'est ce qui justifie justement la décision du gouvernement de procéder à l'évacuation des personnes qui sont le plus menacées. Parce que les hypothèses renseignent qu'on peut aller dans un cas comme dans un autre, et c'est ce que je vais expliquer dans ma propos. Donc, le risque d'accentuation de tremblements de terre, ressenti de manière continue depuis le 22 mai dernier, qui peuvent causer des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants. Le risque d'une éruption volcanique secondaire partant des fissures créées par le mouvement sismique. Ceux qui habitent Goma savent que depuis l'éruption de 2022, il y a eu des fissures souterraines. Et le tremblement de terre ressenti depuis le 22 mai, plus de 400 ont encore ouvert d'autres fissures. Alors la crainte, parce qu'on ne sait pas si toute la lave s'est déjà vidée ou si la lave cherche justement du fait de ces tremblements à ressortir. Et si, par malheur, cette lave rencontrait une fissure, ça créerait une forme d'éruption secondaire. Voilà pourquoi le gouvernement a pris ces décisions. En tout cas, c'est l'une des raisons. Et puis, il y a les risques d'explosion des poches de gaz sous le lac, du fait d'un contact avec le magma. Vous savez que le lac Kivu est un lac qui contient beaucoup de gaz méthane, et toute cette activité sismique peut avoir un impact, et ce serait le scénario catastrophe dans l'hypothèse où vous avez le gaz méthane, le CH4, qui doit combiner avec le CO2. Pour ceux qui connaissent la chimie, ils voient de quoi je parle, ça risque d'être encore plus catastrophique. Et le risque de toxicité de l'environnement ambiant du fait de la poussière, des cendres émises dans l'atmosphère par le volcan, ce qui expose déjà la population de Goma. C'est pour ça que dans tous les messages de sensibilisation, on insiste qu'il faut nettoyer les légumes, être sûr qu'avant de consommer de fruits achetés dans la rue, que cela a été bien nettoyé, parce qu'il y a des poussières qui viennent du volcan, il y a la toxicité qui vient notamment du gaz, qui peut infecter la nourriture. Et donc, pour ceux qui sont à Goma, même ceux qui veulent et qui ne sont pas d'abord concernés par cette première vague de déplacement, il y a lieu de prendre en compte cette précaution. Face à ces spectres de dangers et en attendant les résultats de la surveillance et de l'analyse complète de la situation qui continue, la préoccupation majeure du gouvernement demeure la protection des vies humaines et la mise à l'écart des populations des trajectoires de coulées de lave qui représentent un danger de mort par asphyxie ou même par brûlure sévère. Le plan de contingence est exécuté en harmonie avec les autorités provinciales et les services de la protection civile pour organiser l'évacuation et la prise en charge des déplacés sur 3 axes. La route de Sake et depuis ce matin la route de Rutshuru qui a été endommagée par la lave
Il faut dire qu'ici, et le gouvernement central, et le gouvernement provincial, et les habitants de Goma, il y a eu une solidarité qui a permis de travailler, de dégager à peu près, la route était endommagée à peu près 1200 mètres, de travailler, de dégager la route décapée pour faire en sorte que cette route puisse être ouverte. Ça rouvre la voie pour les populations qui veulent quitter Goma de prendre la direction de Rutshuru et d'aller vers le nord pour ceux qui le souhaitent. Ensuite, nous avons la voie lacustre qui peut permettre à travers les recours et ferries une évacuation vers la province sœur du Sud Kivu. Il y a lieu de préciser que les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale sont déployées pour contenir, orienter et soulager la population.